Non, franchement, Hey dingue. donc, salut tout le monde, c'est 404 pour le 8ème épisode de Pokémon Pixelmon. Je sais pas pourquoi je dis Pokémon à chaque fois, c'est Pixelmon en compagnie de Dark Freewolf. Salut Dark Freewolf. Salut. Et voici la petite évolution qui fait plaisir, la petite évolution. Nous observons ça tout de suite. Waouh, quelle magnificence. En plus, il est beau le Evoli. Ah oui, tu veux pas aller le chercher? Waouh, je pense que tu peux le chevaucher. Vas-y, regarde si tu peux chevaucher l'Evoli. Enfin, le. Attends, c'est bon. Ah, il est beau, hein. Comment tu fais? Non, je pense droit. Que c'est seulement dans le. Bah, non, je peux non, pas. Non, il fait pas. Il y a pas tous les Pokémon peuvent être chevauchés. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, du coup, j'ai entraîné. Enfin, on a entraîné nos Pokémon entre temps pour qu'ils puissent rattraper les niveaux nécessaires pour continuer l'aventure. Parce que, bon, les faire sous vos yeux, ça sert à rien. On a combattu les dresseurs en restant sur les. Qu'on n'avait pas fait sur la précédente route. Donc, on va pouvoir continuer. Parce que, de toute façon, on n'a pas rien à faire ici. Si, moi, j'ai quelque chose à faire encore. Ah bon? Oui. Alors, là-dedans, c'est bon, j'ai tout. Moi, j'ai quelque chose à faire et je vais en profiter tant qu'on est sur un Extreme X. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Bah attends, si tu veux, je le fais. Je le fais. C'est parti où encore? Je suis parti sur la route. Si tu... Putain, y a plus de Pokémon. Si tu veux, je te fais la caméraman. Merci, Exagène. Mais attends. Ah, au fait, l'interface de Pixelmon a changé, donc je sais pas si c'est dû à une mise à jour ou quoi que ce soit. Mais du coup, c'est plutôt sympathique. Ça fait un petit peu un aspect X et Y. Hein. Par contre, le machin, il est à 9 niveaux de plus, il arrive pas à fuir. Impressionnant. Vas-y, on va observer le combat un petit coup. Moi, j'ai quelques Pokémon à faire évoluer de mon côté. J'aurais Hulk à faire évoluer par échange. Ok. Je sais pas comment est-ce qu'il évolue. Iron Man a voulu évoluer, mais j'ai préféré faire ça devant, sous vos yeux. Et Thor, qui attend son tour. C'est qui Thor? Carabaf. Ouais. Pourquoi tu l'as appelé Thor? Je sais pas. Il est en train d'évoluer là? Non. Non, non, pas encore. Il me manque pas grand chose, hein. Mais... Bon, en attendant, j'ai essayé de faire évoluer Flambuzard, enfin Brésillon. Donc je vais juste faire remonter XP, puis il évoluera au cours de l'épisode. C'est pas... Voilà. Oh, un stall gamin. Waouh. Stall gamin, viens là. Oh, sur résistant les. Bon. Les hop, les. Viens, Marcassin. Viens ici. Hop, les. Maracas qui va le dire approche. Oh non, c'est une blague, j'ai failli le one shot. Et je sais pas, one shot. Moi j'ai vu de life avec le mich. Résistant celui-là quand même. Ah, je récupère les joyeux parce que apparemment on peut les vendre. Et plus j'ai de trucs à vendre. Vite, 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 il évolue, vite, il évolue, vite, il évolue. Ah. Putain, il évolue en moi. Bon, je le vois. Pousse-moi, pousse-moi, pousse-moi. Je le vois. Qu'est-ce ouais, je qu'il vois aussi. Brille. Il brille, il brille de mille feux. Je suis dans lui. Oh la vache, il est beau, il est chaud. C'est le. Oh. T'as combien il s'appelle déjà? J'ai oublié. Le canon. Le canon, merci. Allez, hop, viens, le canon. Hop là. Ouais, en bas, c'est bon, on peut aller en grotte. Allez. Comment c'est en grotte? Bah, l'arène elle est fermée, je te rappelle. Ah, mais non, c'est pas par là. Ah, si, c'est par là. Bon, sens de l'orientation. Faut jamais écouter mon sens de l'orientation, ok? Ne jamais écouter mon sens de l'orientation. Mon petit doigt me dit que c'est à gauche. Non, j'ai connu. Alors, il y a des murs invisibles, donc tu peux pas tourner à gauche ni à droite. Donc, c'est soit derrière, soit tout droit. Je suis en train de penser, tu veux pas aller chercher un fossile, toi? Tu veux pas un tyrannide? Tu veux pas un. Attends, un merde, il est où déjà? C'est vrai que j'en voulais un. Viens, suis-moi. Non, mais je sais même pas où t'es pas. Ah, peut-être là-bas. C'est là, oui, c'est en bas, c'est là. C'est marqué, il y a pas de vendeur. Vendeur de fossiles. Et c'est allez. C'est le fossile mâchoire. Mâchoire. Ah, c'est les promos, ça coûtait moins cher. Plus cher. Non, non, ça toujours coûté pareil. Ah bon? Oui. Allez, achetez le fossile. Voilà. Et voilà, nous allons assister à la naissance d'un nouveau membre de notre équipe qui sera le type proche dragon, les amis. Tant bien parce que je suis sûr et certain qu'on aura besoin d'un type proche dragon. Enfin, d'un type dragon. Hop là! Allez, on va faire réanimer ce. Oula, j'ai eu un coup de la gueule. Il est là. Je sais pas comment ça marche. Bah, tu mets ton fossile. Ah, c'est bon. Mais bon, du coup, faut rester là. Attends, ouais. Rattrape pas sur les copains. Hein. On va revenir l'année prochaine si tu veux aller. Oh, ça va vite. Hein. Ça va vite, ouais. Hein. Bah, écoutez, on vous fait une petite ellipse, puis on vous reprend dès que le fossile est né. Bah, ça, c'est sûr. Ouais, oh, si, t'as peut-être un taille normal. Enfin, t'as pas un grand format. Sur moi, t'es une Pokéball. Ah ouais, ouais. Non, ça, c'est une canne à pêche. Oui, votre équipe est complet. Il est envoyé au PC. Ouais, j'ai un dragon. Bon, les amis, j'ai officiellement mon petit Rallye dans mon équipe. Enfin, pas encore, attendez. J'ai juste le rajouté dans l'équipe. Hop. Là. Ouais, je sais. Et c'est. Il va remplacer Thor. Et niveau combien? Niveau 1. Oh putain, ça va être dur. Je pensais qu'il y aurait un niveau 20. Mais non, tu joues en Switch. Ah bah oui, mais bon, là, ça va être chiant. Avec les sort de la grotte, ça va vite aller. Hein. Ouais, mais bon, si on pouvait avoir genre un multi XP pas loin là, non. Bah, je sais pas, il faut demande dans le chat où est-ce qu'on peut en avoir un. Bah toi demande, rien non plus. Hein.
Non mais lui... Ouais, c'est toi qui vas multi-XP. Ouais, je sais. Attends, on va quand même aller voir où si l'arène n'est pas ouverte. Bah non, elle est pas ouverte, elle sera ouverte plus tard, en ayant un autre badge. Puis même si il a été ouverte... Salut, toi, ça va et comment 34 charbon, 8 diamants et 14 fer. On a même trouvé un fossile, on le ramènera demain au vendeur de fossiles. Ouais, je sais, c'est moi qui l'ai acheté. Allez, on y va. Pour entraîner notre petit Pnir Alibur. Ah bah s'il commence avant moi, lui. Moi, je connais plus vite. Oh, un membre de la team Delta. Beta. Ouais, putain, j'arrête pas. Oh merde, putain, la batte. Excuse-moi, j'ai fait l'équilibre. Vas-y, ok. Moi, je sens que la prochaine arène, c'est des arènes de type sol. Hein. Et censé. Bah, là, j'affronte Il les a mis, les 9 Ceratops, ça se passe comment? Il est vite, hein. Par contre, il est immense, mon canon. Je suis sûr que je peux. Attends, il fait quoi comme taille mon canon? Parce que... Alors, Donphan, on va envoyer Captain America, tiens. Il y a eu très mal, mal. Donphan qui est de type seul rush, je crois. Ou seulement rush. Je sais pas. J'avoue que j'en ai aucune idée. Donphan! Hop là! Alors, on va lui faire un signe. Un signe dans sa gueule. Vas-y, petit Ranidur, il monte niveau 12. Ou je sais plus. Ok, donc il faut que maintenant, Ah, il me reste que deux Pokémon pour le moment à faire évoluer. Hein. Hop. Bon, un qui évolue par pierre et l'autre qui évolue par un niveau. T'es, je l'ai pas fini? Si. Ah bon, tu m'as fait peur, j'ai cru que... Alors, Thor. Non, pas Thor. Si. Iron Man. Oh putain, Ramboum. Fampi. Oula, dans la merde là. Peut-être sans changer tout de suite. Hop là. Il reste 2 points de vie, ça m'énerve quand ça m'arrive ça. Nosphère Alto. Ah ouais, ok, Donphan fait vachement mal. Tu pouvais pas me le dire ça. Ah bah c'est parce que... j'ai utilisé... Oh, attends, mon Brésilien est vraiment en train d'évoluer en plein combat là. Mais c'est impressionnant. Ah non, en fait, son évolution, il y a l'animation en cours. En fait, quand tu switches de Pokémon, l'animation se met en cours. C'est trop beau. Je l'entends évoluer. Ah bon? Il y a un bruit quand il évolue? Ouais. Moi, j'entends rien. T'as la musique... Tum, 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 tum. Ouais, moi j'entends pas. Nickel! Iron Man évolue! Et évidemment, il va devenir le gros Iron Man du 3. Ah, nice! Qu'est-ce qu'il est beau! Ah, je suis pas mécontent. Il peut me prendre! Regarde! Regarde! Il peut me voir! Je peux voler! Je sais pas comment c'est l'animation, mais c'est stylé. Bah attends, je viens te dire ça et prendre un screen et te l'envoyer si tu veux. Ou sinon, je vais faire ça. Ouais, c'est marrant. C'est marrant parce qu'en attends, fait. Je vois déjà pas, donc. Putain, moi j'essaye de fuir avec un petit Ranidur, ça marche. Quel dresseur j'ai pas encore fait là? T'as fait Elgin Jenny? Non, pas encore justement. Attends, y'a un truc là. Venez rappeler des capacités à vos Pokémon de mettre. What the fuck? T'as cru que ton chiffre d'affaires allait augmenter là? Moi je vais faire un dresseur à côté en attendant. Hop là, Donphan. Oh, les Pokémon sont pas un petit Ranidur sauvage! Les Pokémon sont archi abîmés là par contre. La grotte a l'air d'être longue là. Oh merde, il me les termine. Oh non, pas encore un Ramboum. Attends, j'ai vraiment fait voir enchanté. Bon, ça va terminer. Ah, quoique, non, elle est pas si... Enfin, elle est pas si grande que ça, mais je suis pas sûr qu'on arrive dans une ville. Hein. Ah, c'est bien qu'on est dans la merde. Je vais te dire ça tout de suite. Je vais te dire où est-ce qu'on va arriver, mais... Déjà, il faudra que moi, j'y arrive. Ouais, on arrive sur la route 6, donc t'es dans la merde. Pour retourner en arrière. Ouais, c'est pas grave. Putain, j'attends que tu finisses ton combat, comme ça j'ai mon Dracaufeu, puis... Ouais, moi je sais les Pokémon, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et ouais, je suis content, je vais pouvoir m'envoler avec... je me demande jusqu'à où je peux m'envoler. Réponse à la fin de l'épisode. Pour le plus de suspense, t'sais. Pour gagner les gens en timeline. Mais bon, c'est maintenant, ils savent comment fonctionne YouTube, ils peuvent très bien cliquer jusqu'à la dernière minute de la vidéo. Merde, quel connard, hop, c'est là. Bleu noir, un brouillard qui annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat. Oh, c'est pas mal ça, mais merde. Ouais, c'est le genre d'attaque que j'utilise jamais, moi. Je suis pas très stratégique. Bon, j'aurais pas mon Dracaufeu tout de suite. Ah bon? Et il vient de décéder? Ouais. Bah, hey, Donphan, il fait mal, hein. Et le mec, il a de l'espoir, il envoie un Pokémon de type feu contre un Pokémon de type proche, et... Mais je sais pas ce qu'il avait comme Pokémon, tu m'as pas dit ce qu'il avait. Fallait demander. Bah, tu pouvais me le dire directement, me dire, attends, il a un Donphan, il est dangereux. Ouais, j'ai pas capté que t'allais envoyer un Reptancel. Putain, et le mec, juste avant, je lui dis, ouais, comme je vais faire dresseur, comme ça j'aurai mon Dracaufeu. Enfin, moi, mon Dracaufeu, il est pas mon tantan qui va attendre 6 niveaux. Hein. Non, moi, il lui manque un combat et il est à l'heure. Le mec, il a pris de l'avance sur moi. Quoi. Ah, je t'ai dit, t'allais avoir 3 évolutions chez moi. Attends, en un épisode. Il fait quoi ces Pokémon là? Pourquoi ils font aussi mal? Oh, calmez-vous là! Vous faites quoi là? Pardon, je passe. Moi, je vais sur la route. Attends, je vais te calmer 5 minutes, tu vas rien comprendre toi. Eh, Donphan, il est type quoi? Il est type sol, hein? Peut-être les deux. Peut-être falloir qu'il apprenne une sérieuse attaque, le Iron Man là. Hein. Genre ultra laser, des trucs comme ça. Hein, histoire de démonter la gueule à ces Nostorfers qui comprennent rien à ce qui se passe. Par contre, le patron c'est moi, ok hein. Range tes Nostorfers là. Bah, tu sais, il te faudrait peut-être un Pokémon électrique. Hein. Oui, c'est ce que je veux dire aussi. Ok, alors
Ça blette, tu fais vachement mal, va crever. Laisse-moi fuir, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, merci. Mettre un petit réviseur en premier, c'est bien, mais c'est dangereux quand même quand tu te balades. Rambo. Ouais, je sais pas du tout imiter le bruit de Rambo. Ok, alors, par contre, Smogogo. Il m'a fait mal, ce bâtard. Smogogo va chier, sérieusement. Oh putain, j'en ai marre, il reste toujours un point de vie là. Puis il me termine. Il fait une attaque mort sur Loup-Garou. Et on n'a pas énormément de niveau d'avance hein, sur les adversaires. Bah non, pas tant que ça. Oh, il apprend morsure, ça c'est bien ça. Vas-y, on dit patience. Bah, déjà, rien que dans le phare. Ouais, parce qu'en fait, hors épisode, on avait combattu en vidéo le phare. Tu. Merde, le coup. Tu admires cette magnifique évolution. Ouais, je l'admire de l'eau. Putain, mais s'il veut bien ne pas bouger, par contre, bah dommage. Parce qu'il est en train de bouger, du coup, j'étais en train de le cadrer. Mais putain, il est énorme. J'ai hâte de voir mon tortank, si ça se trouve, mon tortank qui va être minuscule, mais bon. Oui, je peux monter dessus, mais je suis rentré dans la grotte. Attends, c'est quoi comme Pokémon? Ça belette, c'est bon. Oh la vache, par contre, il est lent. Bah, tu t'attendais à quoi? Trac au feu, hein. Ouais, alors, par contre, mec, il a une vitesse de vol, c'est horrible. Prends dans ta Pokéball. Smogogo. Putain, je descends comment? Bonne question. Je l'ai fait rentrer dans sa Pokéball. Oh le bâtard, il m'a brûlé. Oh mais mec, putain, je suis parti trop loin. Il y a un Pokéstop. En fait, les murs invisibles n'auront plus aucun sens avec nous, tu sais. On va pouvoir aller n'importe où on veut avec ça. Il y a des Tritox. Sérieux? Ouais. Si j'avais su, on aurait chopé un putain de malade. Attends, il a envoyé quoi, ce bâtard? Ils sont grave vénères. Ah, il faut que je chope du coup une méga gemme Dracaufeu. Oh, t'inquiète pas, je pense qu'on aura l'occasion d'en avoir au cours de notre aventure. C'est je suis en train de penser, c'est lequel qui évolue en type dragon? C'est X ou Y? Alors là, regarde sur Google, parce que j'arrête pas de confondre, et je crois que j'ai jamais réussi à trouver la réponse. Le noir c'est X et le orange c'est Y. Ouais, je t'ai osé me laisser acheter un petit René Dieu alors qu'on croise des craquenois juste derrière. Sérieusement? Sérieux? Attends, sérieux, il y a des craquenois? Oh, oui, il y a des craquenois. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé mon main, mon 16ème. Quoi, craquenois? Hein? Craquenois? Mec, un putain de libégon. Bah oui, mais moi aussi j'y ai pensé. C'est pour ça que je suis dégoûté d'avoir mon petit René Dieu là. Moi j'ai sous-titré la sœur, mais je les ferai plus tard. Hein. Vous connaissez la chanson? Putain, j'arrive pas à l'avoir. Adore, attends, j'adore. Irumis. Hein, tu remplaces les ER par 2 S, ça fait Illumis. Hein. Bon, hein, t'as compris les bails. Une ville très steampunk qui fonctionne grâce à l'énergie de la chaleur. Certains pensent que la ville est plus développée que les autres villes. Mais chacun a son avis là-dessus. Tu y trouveras principalement une arène PNJ. Le grand bâtiment au centre de l'or est une horloge et à sa gauche une éolienne. Pour aller à la prochaine ville, il faut prendre la montgolfière derrière le centre Pokémon. N'hésite pas à bien explorer. La route 6 offre une grande zone de Pokémon sauvage. La route 6 c'est quoi? C'est celle-là? Ah bah oui, quand j'ai vu les craquenois, putain. J'étais dégoûté d'avoir pris un putain. Mais tu vas me dire à côté. Ouais, par contre, je vais galérer à en avoir un. Je suis en train de tous les one-shot. Fallait pas surentraîner ton équipe. Hein. Bah, par contre, Tyranidur, il a pas mal rattrapé. Hein. Il est déjà au niveau 19, le fou. Le mec, il se plaint, mais... Ah bah j'espère quand même que Rexilius va être pété à la fin, hein, parce que bon, hein, pour l'instant, là, je regrette d'avoir pris petit René Dieu parce que je vois des... Attends, il est quoi, Libégon? Il est dragon seul. Ah oui, mais là, pour l'instant, il est que seul. Hein. Oui, non, mais je m'en fous. Alors, on va entraîner le Thor, quand même. Hein. Il me faudrait... Par contre, ça, c'est une zone hyper super... Enfin, c'est vraiment une très très bonne zone pour entraîner Thor. Hein. Enfin, s'il veut bien attaquer, parce qu'il est pas très fort, en vrai. Hein. Enfin, c'est peut-être parce qu'il a pas beaucoup de niveau. Je fais vive attaque. Et TDR, il va prendre le charme. Tu vois, on teste. What la super c'est là. C'est quoi là? Ah, il a fait morsure comme par hasard. Est-ce que tu rentres? Il est rentré, j'ai mon craquenois. Bah, ça va, t'es content maintenant? Alors par contre, elle est loin la ville ou non, ça se passe comment? Ah, t'es pas encore entré dans la ville? Non. Non, elle est pas. Ah, mais t'inquiète pas, je vais voir si elle est loin. J'espère qu'un solo n'est pas trop pété. Mec, je viens de voir un Smogogo rose. Bah, attrape-le. Attends, j'ai même pas. On sait même pas s'ils sont rares ou pas, les gamins. Non, j'en ai croisé plusieurs déjà. Mais ça se trouve, ils sont rares, mais t'as eu beaucoup de chance. C'est comme les Gigamax. C'est ça. Hein? Putain! Attends, Scorplane. Ah ouais, alors non, alors par contre, ça fait méga mal là, ça fait méga mal les Pokédollars, mais. Vol seul. Ah bah, y a que Thor qui peut le faire, mais bon, il est mort. Putain, je suis un abruti, pourquoi est-ce que j'envoie lui? Bah, justement, parce que t'es un abruti. Ouais, son point comète, ça fait pas très mal. Hein. Oh, il m'a fait mal. Putain, c'est quoi, Elfor? Ça sert à attends, quoi? Attends, Scorplane, j'avais pas marqué, mais il est niveau 30, ce con. Depuis quand t'as un Scorplane? J'ai jamais dit que j'avais un Scorplane. Bon, allez, on fait quoi? On est parti faire XP. Oh putain, y'a un sabelette. Oh, le bâtard, il a fait atterrissage. Sabelette. Ah, c'est peut-être une bonne chose. Sauf que j'ai pas d'atterrissage tout seul, donc je vois pas la différence.
Ouh, sa belette. C'est moi ou je vais galérer avec un scorpion là? Ouh, sa belette. Ouah, le fou. Je me suis fait aggro par quoi? Vas-y, je vais t'allumer comme Jaja. Chargé comme jamais. Il m'a fait mal avec son piège de rock de bâtard là. Mais arrête avec mon atterrissage à la con! Alors, par contre, toi qui voulais ultra laser ou déflagration, au centre Pokémon ils en vendent. Moi, je vais voir plus tard ouais. Parce que j'ai dépensé toute ma thune pour ce putain de fossile qui va mettre du temps avant d'évoluer. Puis surtout, c'est 15 000 Pokédollars. Ah ouais, bah je vais attendre un peu plus alors. Putain, il est en train de démonter Iron Man quoi. Bon, c'est peut-être parce qu'il. Ah ouais, non, mais. C'est hallucinant, hein. Putain, et l'enculé là, un craquement à niveau 28. Éboulement. Ça fait quoi? Ça fait plus mal que ton broche? Ah oui, ça fait un peu plus mal. Tiens, il est dur niveau 20. Plus qu'une dizaine de niveaux. Et il pourra rattraper l'équipe. Sauf que, bon, à la dizaine de niveaux, il va mettre du temps avant l'avoir. Ouh, quoique, là, avec le dresseur là, que je suis en train de faire, t'inquiète pas, tu vas vite le rattraper. Hein. C'est un dresseur que j'ai déjà fait, j'en sais rien. Non, c'est l'un de ceux qui est à l'entrée, à niveau 28. D'accord. Il est en train de one-shot tous mes Pokémon. Rassurant tout ça. Ouais. Juste avec un crack noir. Tu arrives à envoyer ton Pokémon là? C'est quoi la commande pour quitter le combat? Alors, j'ai le repop, là, parce que j'ai essayé de rejoindre l'île. C'est marrant. C'est dire au milieu de l'océan. Donneur capacité. Je vais mettre modif. Je vais la mettre en jaune, en orange. Sauver. Temple aquatique, je vais le laisser en bleu. Ça, je... Alors les zones cachées, je vais les mettre en jaune. Ok, alors tout le monde. Putain, c'était compliqué cette histoire. Alors est-ce que j'en étais? J'en étais à... J'ai cherché à combattre un dresseur, je crois que c'était celui-là. Voilà. Alors, Gravalanche. Hop. Et bon, pendant ce temps, j'ai trouvé la zone numéro 4. La zone cachée. Hein. Parce que c'est vrai que sur la map, il est dissimulé des zones cachées. Et bah, il en a déjà trouvé 4. 3. Ah, il t'en manquait une? Il me manque la zone cachée numéro 2. Et j'ai... Bah, comme j'arrivais pas à la trouver... Moi, je suis le mec, il a Givarly, c'est normal. Le mec, je crois qu'il a pas compris le délire. Mais si c'est les Pokémon Sol et Roche, hein, monsieur hein. Ouais, bah t'inquiète pas, je pense que la reine, elle est seule. La reine, elle doit être roche ou sol. Hein. Ou électrique, ou feu. Viens, on fait un pari. Toi, tu dis roche ou sol, et moi, je dis électrique ou feu. Oh putain, me dis pas que les évolutions. Oh, qu'est-ce. Mais par contre, du coup, comme j'ai un Pokémon de type vol, ça va être plus simple pour trouver les. Bonjour, Sablette. Putain, je suis un fou, moi. J'envoie petit rallye dur dès le début, juste à cause de morsure. Oh, mais quel abruti! En plus, j'avais morsure avec Thor, je suis un abruti, moi. On m'a terminé comme jamais. Mais je vais pas réussir. Oh, je me fais mal okay, avec mon alors, rajouté. Alors, le sablette niveau 20 qui me met mal, non merci. Elekid. What? Ça, j'avais l'espoir que... Ah, d'accord. Alors, Elekid. Ok, qui commence à prendre un petit peu de retard. On va essayer de le... Ouais. Qu'est-ce qui est efficace contre le type sol? L'eau, la glace, la plante. D'accord. Bah du coup Aquali qui est un peu en retard par rapport aux autres, bah il va. Il va pouvoir grave. Ah non pouvoir... c'est ça. Bah oui bah Aquali tu peux carrément l'entraîner hein, ici. Hein. Ouais bah Stade Gamin et Aquali, t'inquiète pas que là ils vont prendre du niveau. Hein. Si. Ah salut. Ah bah j'ai passé juste au-dessus de ta tête. C'est pas ce Pokémon là que je vous ai envoyé. C'est celui-là. Je putain, un démolo. Qu'on pouvait colorer les machines de soins. Ça doit être nouveau ça. Parce que t'en as un rouge et un marron. T'en as un gris aussi. Ah bon, j'ai pas vu. Ah par bon. Contre, démolo, c'est plus rapide que moi. Alors si j'ai bien compris, tu vois, il y a une montgolfière tout en haut. C'est là où est-ce qu'on pourra. Est-ce qu'on devra oui, aller c'est là où il faut aller. C'est là où il faut aller. Mais. On fait comment pour y aller Déjà, il faut faire l'arène ici. Avoir le troisième badge. Alors si j'ai bien compris, le grand bâtiment au milieu, c'est l'arène. Ouais, mais t'as fait tous les dresseurs de la route? Ouais. Non. Bah oui. Bah oui. Ok, allez. Ça veut dire que t'as même fait celui qui était niveau 28 à l'entrée? Bah oui. Celui avec le Scorpion là? Ouais. Non. Hein? Alors celui-là, j'ai déjà fait. Non mais par contre, vous laissez. Ah, tu t'es fait aggro par un sablette. C'est ça. Ouais, celui-là, je l'ai fait, ouais. Celui-là, je viens de le faire, il m'a fait mal. Celui-là, je viens de le faire, il m'a fait très mal. Celui-là, je l'ai fait ou pas? Ah non. Racaillou. Ah bah voilà. Et bah voilà, il me fait peur. Hein. Ah bah voilà, je savais bien que t'avais pas pour quand passer ce cap-là. Quel cap? Ah bah tu vas voir son crack noir.
Bah, je vais one-shoter. Son niveau 28? Oui. J'ai, bon, senti, ouais, j'ai senti ton sourire descendre doucement, doucement, tu es en train de me dire « Tu te fous de ma gueule ! J'ai galéré !» Bah oui, mais moi j'ai tort, tu vois. Mais non, je l'ai j'ai pas vaincu. J'ai crash au même moment. Il lui restait un PV, et le serveur il a crash au même moment. Ça, c'est con ça. Ça se trouve que t'avais gagné le combat, mais puisque le serveur a décidé de crash, t'as perdu. Bah oui, en plus de ça, il me restait que moi à Quali. Bon. On va visiter un petit peu la ville et puis on va se quitter pour cet épisode. Oh oh oh, les Pokémon, dégagez là, surtout toi là. Pokémon Go, tu n'aurais pas vu un Pokéstop pas loin? Je cherche, j'en cherche depuis des heures. Il y en a un dehors. Ah bon, j'ai pas vu. On va envoyer ce sale gamin. On va envoyer ce sale gamin, il est horrible. Ouais. Comment je fais pour pas le voir, c'est un truc de ouf. Par contre, ta blague était pas terrible. Mais... T'as le gamin, sale gamin, c'est... Oui, bah c'est... Oui, mais non. Eh, par contre, Assolourdo, c'est le Pokémon casse-couille, hein. Assolourdo, ouais. Putain, j'ai vraiment eu... Pokémon lourd. J'ai eu un anti-brûle. Devine quoi ? Anti-brûle, ça veut tout dire. Est-ce que j'aurais pas un peu raison ? Bah écoute, je vais faire l'arène, puis tu me diras. Tiens, tu dis, il est déjà niveau 22, eh. Quand je pense qu'il est né aujourd'hui. Putain, il a un Pokémon, il est né aujourd'hui, il est déjà au niveau de du Pokémon que j'ai capturé il y a 10 minutes et j'arrive pas à faire XP. Pique poison, pique venin, ça c'est pas mal ça. Je vais prendre, on sait jamais. Ouais, alors par contre, Scorplan, tu casses les couilles. Ah bah, il me casse tous les couilles. Ah, par contre, ouais, Scorplan, j'ai galéré. Hein. Il m'a fait morfler. Il est type quoi, Scorplan? Volsol. Donc n'essaye surtout pas les attaques électriques, ça marchera jamais. Ouais, tu pouvais pas le dire plus tôt. Par contre, le type glace, c'est focal contre lui. Allo, stade gamin? Ouais, mais mon type glace, il me l'a déjà tué. Il est décédé. Pourquoi je rigole, c'est pas drôle. Alors, on va continuer un petit peu la petite visite, là. Elle a l'air sympa, la petite ville, même si on dirait une petite ville vite fait, en fait. Moi, je te dis... Moi, je suis sûr qu'on va avoir peut-être un objet intéressant là-dedans. C'est-à-dire? Dans cette ville. Je sais pas, par exemple un OVNI XP ou un truc comme ça. J'y crois moyen. Pour moi, l'OVNI XP, ça va être un truc qu'on va devoir acheter. Alors Victoria, aujourd'hui, j'ai vu Michel se promener vers le centre Pokémon. Ouais, je m'en bats les couilles. Il fixait l'infirmière Joël. J'adore les dialogues dans ce jeu Pokémon, c'est un truc de ouf. C'est pas un jeu Pokémon, c'est un jeu Minecraft basé sur Pokémon. Ouais, bah c'est bon, arrête de jouer sur les mots, s'il te plaît, merci. Bah non, parce que dans ces cas-là, c'est dire que tu reconnais que Pixelmon a été fait par Nintendo. Bah, comme les trois quarts des jeux hack, tu vois, je dis toujours jeu Pokémon. Cette ville me représente tellement, avant j'étais très dépressive, mais la ville a changé et moi aussi, j'ai adapté mon nouveau style de vie. Je me sens revivre. Wow. Alors par contre, les graves avalanches avec fermeté, allez crever, merci. Bon, c'est bon, t'as juste un tour de plus à faire, quoi. Sauf s'ils sont plus forts que toi et qu'ils te headshot. Attends, c'est quoi ça? Ah non, c'est ce montgolfière là qu'il faut rejoindre. Parce qu'en fait, Blue avait parlé d'un éolienne et que juste à côté il y avait un montgolfière à rejoindre. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Ah là-bas. Ah bon, on verra ça plus tard. La montgolfière, on le verra plus tard. La montgolfière, c'est. Il faut ah non, y c'est aller celui-là après... Celui avec le Wailord là. Oh le bâtard, qu'est-ce que j'ai fait? De la merde. J'ai pris le montgolfière accidentellement. Tu es sérieux? Ouais. C'est bon, je suis revenu. Où est-ce que j'ai fait? Plage Ramolos. Le mec il s'est spoilé. Ouais, mais j'ai rien vu. Et puis spoilé, je crois. D'où t'as un putain de Givrali? Il fait chaud ici. Qu'est-ce que tu fous avec un putain de mais Givrali? Je t'en ai parlé en plus. Je t'ai dit, bah attends, hein, c'est quoi ce bordel? Et puis toi, tu m'as dit, bah ouais, t'as vu. Et je crois que tu l'avais vu. On tirait avec toi. J'ai quasiment fini. Parce que j'attends pour finir l'épisode. Mais... Hop, vas-y, je grimpe. Je grimpe un peu partout parce que j'adore grimper. Mais t'as qu'à aller faire l'arène en attendant. Non, bah non. Enfin, c'est au prochain épisode. Le mec, il sent que là, qu'on n'est pas prêt pour l'arène. Oui. J'essaie de gagner du temps, ok. C'est pas facile, hein. Bon, écoute, je reviens à la ville. Il me reste un dresseur à faire, mais il faut que je soigne mes Pokémon. Je te vois courir comme un gros dingo, là. Oh, salut, toi. J'espère que ma fille s'en sort à son travail. Je ne peux m'arrêter. Bonjour, infirmière Joël. Juste d'avoir votre numéro de téléphone. Est-ce que je devrais arrêter de la fixer? Très bien, alors 06, oui, ok, 17, d'accord, 23, d'accord. Tu sais qu'il y a son père juste à côté. On fout. Bon les amis, on va se quitter pour cette vidéo.
T'occupes de la fille, tu t'occupes du père. Alors monsieur, je peux avoir votre numéro de téléphone? Le mec a pas compris le concept. Ah, fallait l'occuper. Ah bah du coup je l'ai pécho, ça te dérange pas? Bah c'est ton... Tu m'as dit la dernière fois que c'était ton genre, donc... C'est pas ce que j'ai dit, non. Bon les amis, on va se quitter pour cet épisode avant que ça parte en couille. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager à vos amis, à vos poissons rouges, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter pour écrire tout ce que vous voulez. Vous abonner pour suivre toutes nos aventures. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Dark Free Wolf. Tous les liens sont dans la description. Allez, sur ce, c'était le Cassin 4 et Dark Free Wolf. Donc, salut tout le monde. Tchuss.